Et bien salut tout le monde, c'est Inner, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 d'Assassin's Creed 4. Oui déjà, je mets les 4 dans la journée, moi je suis comme ça, je suis un ouf. Et donc on reprend, alors on s'est arrêté juste ici, j'y ai pas touché depuis tout à l'heure, depuis le dernier épisode. Donc on va continuer, ça on avait déjà lu. Alors voilà, reprenons. Donc il fallait qu'on explique ces deux jeunes gens, en activant la vision d'aigle. Alors là c'est le retour de l'infiltration par rapport aux deux autres. Donc on va carrément y aller en infiltré. Voilà, c'est ici qu'on s'était fait choper, là on s'est pas du tout fait choper. Alors est-ce qu'il peut sauter? Bien bon. Alors. Ok, désolé, je me concentre un peu en fait, j'essaie de le suivre. Oula. Pourquoi il est devenu rouge lui? D'accord, il y a un garde. Ok, d'accord. J'ai plus de sabre. Ah si, apparemment. Comment on change d'arme? Ah zut, il a déclenché une espèce d'alerte. Ok, on va essayer de s'en aller. Ok, alors tout simplement, on va faire ça. Hop. Voilà, on va se foutre sur le toit. Et on va continuer à faire notre mission espionnage comme si de rien n'était. Zut. On m'a, comme qui dirait, chopé. Ok, on s'est encore fait désynchroniser. Merde. Eh bien, on recommence encore une fois, oui. Je suis nul, je suis en infiltration, mais alors... Bon. Ah non, bah regardez, on reprend ici. Par contre, je sais pas comment on change d'arme. Voilà, ok, c'est ici. Alors du coup, supposons qu'il faut qu'on escalade. D'accord, on va les suivre en hauteur. Par contre, on commence à s'éloigner d'eux, là, c'est chiant. Vite. Oula. Hop. Zut. Oula. D'accord, en fait, en gros, j'ai tué les deux mecs, d'accord. Quel bourrin, c'est pas possible. Ok, on reprend. En plus, l'action était magnifique. Waouh, l'action était vraiment magnifique. Bon, je peux pas tirer la vision d'aigle. Ah, merde! Qu'est-ce qu'il a fait? Ok, hop. Hop, hop. Ok, je sens qu'on va foirer, je sais pas pourquoi. Ok, on a plus que quelques secondes. D'accord, bon, ce ne sont que mes débuts, Assassin's Creed, arrêtez de rager devant votre écran parce que je perds tout le temps, ouais. Ça devrait être bon hein, là ce coup-ci. On va essayer de faire un détour plutôt au lieu d'essayer de se casser la dé. Peut-être plus simple. Non, en fait, s'il fallait escalader. Zut. Ok, bon, ce coup-ci on va réussir, vous inquiétez pas. On va bien finir par arriver à cette maudite mission. En plus c'est rien quoi, faut juste escalader. Allez, ok, on va escalader ici. Ok, on reprend comme on avait fait au début, ça avait plutôt l'air de bien marcher. Bien. Alors là, est-ce que je peux essayer de descendre quelque chose du genre? Alors. Là, je suis apparemment dans une zone interdite. Ok, ils sont juste là. Hein? Qu'est-ce qu'il veut lui? Qu'est-ce que on s'est fait repérer? Ose venir. Oula, non,
me tire dessus. Zut, j'ai été détecté. Ok, c'est carrément une mission infiltration. On se fait pas mal de fois, hein. Bon ça va là. En fait, je commence à picher la technique, faut juste faire gaffe à pas monter trop en l'air en fait. On devrait pouvoir le faire. Allez, reprenons. Ah, ils sont quand même en hauteur, ils sont partout ces gars. Allez hop. Hop, hop. Alors non. Hop. Ouais, je viens rentrer dans la zone interdite. C'est bon. Suivez les gars, alors où sont-ils? Ils sont là, oui ils sont là. Vision d'aigle. Avec l'ennemi. Ok, je suis dans une zone interdite. Non. Ok, c'est encore une zone interdite. Je vais essayer de pas poser le pied dans une zone interdite, ce serait con de mourir maintenant. Enfin, même si on est déjà mort plein de fois, mais bon. Voilà. Se mettre à courir. D'accord, sautons. Apparemment il y a une pendaison. Donc on va s'y rendre tout de suite. On ne se fait pas repérer. Oh merde. Allons-y, suivons-les. Ils sont rapides. Ah ils sont rapides. Non. Ah zut, je vais les perdre. Non, 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 je peux pas les perdre. Attendez, c'est bon, ils sont là. Dommage que je ne puisse pas utiliser la vision d'aigle là. Alors. Ok, on les suit. J'essaie de rester un petit peu éloigné d'eux parce que sinon j'ai peur. Oula, non, tu descends mon gars. Ok, apparemment ils sont en retard à une pendaison. Bon, suivons-les. Oula, non. Zut, non, j'ai été détecté. Oh, punaise. Oh là, c'est vraiment dommage, on y était presque. Il n'y a pas un checkpoint. Un checkpoint, pardon. Espérons qu'il y ait eu un checkpoint. Ok, ouais, yes, il y a eu un checkpoint. Parfait. Allons-y à notre propre rythme. Ok, hop. Ok, hop, je me cache là. Voilà, on y va. Oula, 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 oula. Ok, j'ai eu peur qu'il me voit pendant un instant. Ok. Pardon, monsieur. Là, il retourne à gauche et se retourner juste après. Ouais, voilà. Bon. Du coup, je vais faire gaffe. Ok, ils sont même pas arrêtés. Allons-y. Ok, hop. Bien. J'aime bien ce côté plus lumineux qu'il n'y avait pas dans le 3, j'ai trouvé. Même si je l'ai pas fait, hein, je vous l'ai dit, c'est sur le gameplay. Que j'ai vu en l'occurrence, j'ai vu le gameplay de Siphano. Le let's play, pardon. Let's play de Siphano, donc... un très bon youtubeur, ok. Non, attendez. Non, 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 rentre là-dedans. Ok, c'est bon, je suis invisible. Non, je suis invisible. Ok. Ok. Il faut que j'écoute la conversation, mais comment? Attendez, on va faire ça. C'est bon de passer par les toits. Ok, maintenant il faut aller où? À nous. Ah non, attendez. Essayons d'écouter la conversation, mais où? Ok, c'est bon, j'entends. Et dès que le capitaine Mendoza l'aura rendu,
versera votre argent. Ok. Désolé si je parle pas beaucoup, je suis pas mal concentré là. Bien, là on pourra se... On passe. Cela conviendra. Vais-je devoir l'accompagner au Castillo? Non. Je pense que le capitaine Mendoza vous le fera livrer. Oui, c'est certain. Ok. Par tous les dieux, cette grande brute est le capitaine Mendoza. Que serait cette personne, non? Non, monsieur. Ça, c'est El Tiburon, l'homme de main du gouverneur Torres. Et conserver la cible en vue. D'accord. Ok, la cible, elle est par là-bas, elle est en or. C'est pas mal, ça le fait qu'elle soit en or. Ok, attendez, non, j'ai fait une petite connerie. Non, je l'ai perdu. Ok, non, c'est bon, il est là-bas. Poussez-vous, poussez-vous. Ok, zut. Ok, attendez, faut que je me rapproche. Voilà. Ok, attention. Ok, voler la clé du capitaine. Alors, est-ce que je dois les descendre? Bien, eh bien non, je suppose. Alors, on va se contenter d'escalader, du coup. Ok. Et dans une zone interdite, il y a sûrement moyen de le tuer ou quelque chose dans le genre. Voler la clé du capitaine. Attendez, on va essayer un truc. Faut que je le tue en fait, c'est ça la question que je me pose. Alors là il s'en va je crois. Ok. Wow, regardez-moi ce réflexe. Bien. Ok, alors attendez. J'ai pas pu récupérer sa clé là, c'est chiant, zut. Ah là, ça faisait longtemps qu'on avait pas eu un petit assassinat dans Assassin's Creed, non? Non, 3 non plus, on avait pas assez, j'ai trouvé. J'ai regardé un let's play du 2 aussi, non? Vous demandez pas pourquoi je m'y connais autant. Je suis pas le plus fort en baston, et ça c'est chiant. Parce qu'il y en a beaucoup. C'est pas toujours simple en fait. Oh là non, ils m'ont désynchronisé, punaise. Ok, à mon avis, je me suis pas bien pris. J'aurais peut-être mieux fait d'attendre. Alors en attendant, je vais checker le timer. Alors, hop. Alors attendez, 2 petites secondes. Bien, on en a 13 minutes. Aujourd'hui, je vais peut-être faire du 20 minutes. Voilà, alors, ok, on reprend. On escalade. Hop, hop. J'ai pas des lames d'assassin. Non, pas encore. J'aurais dû utiliser des bombes fumigènes, des trucs dans le genre. Saut de la fois, appuyez sur R, et appuyez sur X et orienter L vers le tas de fond dans la surface. Ok, attendez. Ça, on l'a déjà fait, je crois. Ah, ok, d'accord, je comprends. Je compris. Ok, non, attendez. Du coup, là, comme il est sorti, il va falloir qu'on remonte. Qu'on aille le chercher. Il faut voler la clé au capitaine, hein. Il a vraiment eu la chance sur ce coup-là, j'y croyais plus au saut. On va le suivre encore un peu. Lancer une bombe. Est-ce que ça veut dire le tuer? Voilà, on y va.
fait ça très discrètement. Voilà, c'est parfait. Objectif optionnel, engager des danseuses pour distraire les gardes. Attendez, j'ai pas eu le temps de lire les objectifs optionnels. Tant pis, alors attendez, non. Y a pas un truc là, non, non plus. Ok, on a fait ça très discrètement, c'était pas mal. Ah, par contre, je le sens plus trop. Ok, là normalement il est pas censé nous voir ce mec. Parfait, on passe. Ok, hop. Oula, zut. J'ai mal foutu mon truc. Ok, ninja. Zut, comment on fait déjà? Ok, on se casse. Ok, on n'aura pas, je me casse. Je préfère autant m'en aller. Oula, non. Mais va-t'en. Oh, espèce de fumier. Ok, il n'y a pas le moyen de contrer. Si, voilà, parfait. Oh là là. Il m'a encore désynchronisé, c'est pas possible. Le jeu est là, hardcore ou quoi? Ok, bon. Bien, reprenons. Où est-ce qu'on en était? Alors, les filles, vous engagez les danseuses, vous ne prenez pas part au combat. D'accord, il faut pas que je prenne part au combat. Mais où sont les danseuses? Voyons voir ce que c'est que ce truc bleu. Alors, recruter, est-ce que ce serait une danseuse? Est-ce que j'ai recruté? Elle me suit, elle fait quelque chose, non? Oh, je sais pas. Alors, attendez. Apparemment, à l'intérieur, il y aura un coffre. On va essayer d'y retourner vite fait. Ouais, non, tant pis, on y retournera la prochaine fois, ça sent la map est immense. Oh non. Ah non, parce que là, il y a plein de gardes, en fait, si j'y vais, je sens que je vais y passer. Alors, il n'y aura pas le moyen d'escalader dans un arbre, de passer. Oh là là. Ok, on y va. Je ne fais rien, je suis un parfait innocent. Voilà. Ok, là, voyons voir. Ici. Personne ne m'a repéré. Bien. Oula, non. Ok, remontons par ici. Ça devrait être faisable. Bah voilà, mon gars, c'est bien. Ok, alors on va... Là, que faut-il faire? C'était se planquer dans ces feuilles-là. Ok. Nous sommes un assassin. On se cache. Ok, parfait. On est caché. L'objectif doit être dans la porte d'à côté. Hein. Donc, il y a du garde. Tu ne dis rien, tu souffres en silence. Parfait, non. Ok, 13 mètres, 12. Oula, non. S'il vous plaît. Non, ça y est, ils vont tous appliquer. Je sens qu'on va se faire désynchroniser. Ok, alors, attendez, on va contrer. Il y a une bombe.
Non, j'en profite pour les flinguer vu qu'ils sont tous éparpillés. On peut se les faire un par un. Alors, et on va. Hop. Alors, on s'améliore un petit peu niveau baston. Hein. Ok, vous vous calmez. Alors, tout le monde se calme. Merci. Non, attendez, je suis un parfait innocent. Pour l'instant. Ok, on est caché. Finesse, l'objectif est de l'autre côté. Alors attendez, je check le timer pour voir combien de temps on en est. Ok, on en a 20 minutes. Bon, on va continuer exceptionnellement aujourd'hui. Allez, on est des fous. Ok, 13 mètres. 16 mètres, 18 mètres, j'ai l'impression qu'on s'est loin de l'objectif. Est-ce qu'il serait pas en hauteur par hasard l'objectif? Oula. Voilà, pour le coup, j'ai pas géré. L'objectif, il a l'air d'être dans le coin. Essayons de passer à par ici peut-être. Il veut bien sauter en hauteur. Il peut bien s'attacher, non? Ah, voilà. Bien, tu remontes. Oh, tu sautes à côté, là, tu peux. Oui. Tu peux. Tu es un bon. Attendez, non, on peut pas se remonter, non. Et bien, on va être obligé de faire ça, je le sens. Voilà. Non! Oh là là, on est carrément sorti. Bon, bah vous savez quoi, on va s'arrêter ici, parce que là j'ai un peu la flemme de reprendre. Je tournerai l'épisode 5 tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, il sortira soit demain, soit bah, ce soir. Ou ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Donc bah écoutez chers amis, j'espère... Oh, regardez l'eau. Et bah écoutez chers amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à plus tout le monde, et à la prochaine. Bisous.